Tanguy Passion. C'est mal fait, la vie. Je ne sais pas qui est l'origine de ce concept. J'ai un ami croyant qui m'a dit c'est Dieu, un ami athée qui m'a dit c'est mes darons, un ami croyant polythéiste qui m'a dit ce sont les dieux, un ami woke qui m'a dit c'est Dieu.es et un ami occupé qui m'a dit barre-toi, j'ai autre chose à foutre. Oui, c'est mal fait parce que les deux meilleures périodes de la vie, on n'en a pas de souvenir. La vieillesse, super moment, on glande devant la télé, on attend en vain que des rides arrivent sur la face de Cyril Ferraud. Bon, bah, on s'en souvient pas parce qu'on a le cerveau dans le même état qu'une clepsydre sur laquelle se serait assis Olivier Mine de Fort Boyard. Ce moment où, surpris, il murmure c'est toi, Passepartout, bah dis donc, mon gars. Et la prime enfance quand on est bébé, on n'en a aucun souvenir alors que c'est le top du parcours de vie. Le temps qu'on gagne, déjà, on n'a pas allé aux toilettes, il suffit de se faire dessus. Se moucher, on ne fait pas quand on a le nez plein. Un parent vient avec un mouche-bébé. C'est un tube qu'on met dans le nez du bébé et on aspire par la bouche. Sauf les gens du showbiz qui aspirent avec leur propre nez par réflexe. Hein, Kate Moss en 2005 pouvait prélever jusqu'à 3 tonnes de morve de bébé par semaine. Hein, elle en faisait des crémantillages, sa gamme nose shit. Et quand on est bébé et qu'on a faim, bah, il suffit de pleurer pour qu'une dame soulève son t-shirt. Parfois un t-shirt maman géniale, le gosse pleure encore plus, il se dit cette cassose peut pas être ma mère. Et là elle vous plaque contre son sein, alors que moi par exemple, là j'ai faim. Hein. La moitié des employés à Inter sont des femmes. Et bien vous pensez qu'il y en aurait ne serait-ce qu'une qui viendrait vers moi sain à l'air en me disant viens-y voir par là mon guitan? Même pas quoi. Alors d'accord, MeToo a eu ses côtés bénéfiques, mais ça a changé le rapport entre les gens. Laurence Bloch qui est en haut de l'organigramme, elle pourrait profiter de son statut. Bah 5 ans que je la vois dans l'ascenseur, pas une main au panier. Parfois je roule des hanches devant elle en disant il fait si chaud. Rien. Sybille Veil, boss de Radio France, vous la croisez dans le couloir alors que vous êtes en slip de cuir à cheval sur un tapir en train de chanter Crucify d'Army of Lovers. En fait, des choses qu'on fait avec la redevance des gens, quoi. Bien sûr. Mais elle fuit vers France Musique en disant je préfère Schubert. Et c'est étrange, cette période où la femme allaite. Parce que pendant quelques mois, 34 ans, chez certaines mères juives un peu exclusives, bon, les femmes ont tout ce qu'il faut pour nourrir leur bébé sur elles. Nous, les pères. Pour la même chose, il faut les biberons, le lait premier agent poudre, l'eau, à la limite, le camping-gaz pour faire chauffer l'eau. 2 heures de sortie avec le gosse, il y a 27 kilos de matos à trimballer. Il faut faire un crochet par le Pérou pour acheter un lama hein, pour transporter tout ça. Après, vous regardez les émissions de survie sur RMC Découverte. Où des gens boivent leur pipi pour subsister, vous dites hey, petit joueur, moi hier j'ai passé 2 heures au parc avec Timéo. En plus vous êtes un père arabe, barbu. Au parc, vous sortez le camping-gaz. Il y aura toujours une nounou de l'Est un peu raciste pour hurler, il va se faire péter et vous faites taser par la police municipale. Alors, ok, ça amuse le bébé parce qu'il pense que vous faites le con à bouger dans tous les sens. Mais enfin, vous prenez 500 000 volts dans le dos. Après, pendant 10 jours, votre lampe de chevet s'allume dès que vous passez à moins de 16 mètres du lit. Enfin, c'est compliqué pour dormir. Hein, David Guetta a passé 30 ans toutes les nuits à faire le zouave en club sous des lumières clignotantes, mais il est complètement décati. Enfin, physiquement, c'est une danette. Oui, les mères allaitent. Alors, ouais, sauf que c'est encore mal vu, parce que la société est composée aux 3/4 de pervers lubriques qui confondent le sein instrument d'alimentation avec le sein objet du désir dans certaines circonstances. La station de bus à 14h quand on a un bébé, ne faisant pas partie de ces circonstances. Ah ben, on revient sur terre, les loulous. La vie, c'est pas la chaîne XXL. Sinon, le plombier ferait la mort à votre épouse au lieu de lui facturer 400 € pour une chasse d'eau. Hein, sur 100 000 femmes qui donnent le sein à leur bébé, je vous assure qu'il n'y en a pas une qui le fait pour vous exciter. Ou alors c'est un stratagème, elle a un faux bébé. Hein, pour vérifier, attrapez le bébé, lancez-le. Si elle s'en fiche, c'était un faux. Hein, si elle dit pas grave, je l'avais surtout fait pour la CAF, bon, ça va aussi. En fait, tout dépend toujours du contexte. Les fémènes seins nus à Cannes pour protester contre la guerre en Ukraine, elles ne sont pas venues pour la soirée mousse de Pierre Lescure. Et à l'inverse, Natacha, la matrice de la Grande Motte, qui n'est pas la station dans laquelle elle habite, mais son surnom, bah, quand on la voit en vidéo, il n'y a pas de moment où elle se met hurler Poutine, tu vas payer. Hein, parce que les amateurs Gilles, François, Doudou, Sylvain, Babacar et Omar, ainsi que le Doberman Fifi, qui sont dans la pièce, lui dirait hey, on n'est pas là pour faire de la politique. Oui, parce qu'en général, les amateurs ont toujours l'accent du Sud. Oh. Même le Doberman, il fait hey, waffe, waffe. Donc, bon, bref, c'est difficile pour les femmes de nourrir leur bébé en public. Voilà. C'est pourquoi a été installé le premier banc d'allaitement de France dans le parc de l'hôpital de Bron, près de Lyon. C'est un banc où la femme peut allaiter avec des petits murs en bois pour échapper au regard sexualisant des mecs. En fait, c'est une sorte de zone protégée. Parce qu'il faut ça. Ouais. En Islande, les députés allaitent leur bébé à l'Assemblée, quand même. Vous imaginez la différence. Et chez nous, alors, chez nous, Richard Ferrand sur son perchoir sera en train de baver et Jean Lassalle entendrait une chanson païenne sur une bergère à grosse poitrine. La petite Daphné, dans ce tien-gorge, je mettrais bien mon nez. Mais ce serait très pénible. Enfin, hein, très pénible. Donc tout dépend toujours du contexte. Oui, j'ai faim, mais je sais que ce midi, je dois plus me tourner vers ce qu'il y a à la cantine que vers la dame de la cantine. Merci, Tanguy Passion. La gougoute à son chat.
Tanguy Pastureau qui sera à Bordeaux. Cette temporalité. Tu fais exprès. Le 27 novembre. T'as le sens du rythme, toi. Au théâtre féminin. C'est son rythme. Aucun respect pour les autres.